Non, non, mais Iros, qu'est-ce que tu fais? Je sais où se cache la carte bancaire d'Esteban. Il y a moyen que je m'achète quelques trucs. C'est bon, je reçois les billets, c'est bon. Oui. Du fluff. D'abord, ma papa. Donc, je pense que son objectif, c'est d'aller acheter un iPhone. Et au commissariat de police. Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Salut! Quoi, salut? T'es déjà là, toi? Ah ouais, je suis déjà là. Non, mais fais attention. Je vais faire un petit verre. Non, mais Iros, qu'est-ce que tu fais? Mais voilà. T'es sérieuse? Au revoir, merci. Non, mais t'es sérieuse là? Non mais Iros, t'en as mis partout là. On s'en fout, bah, tu sais pas ça, de toute façon moi je m'en vais. Non mais Iros, viens ici. Iros, viens ici. Quoi? C'est bon, tu nettoies ou sinon t'es puni de téléphone. Mais de toute façon non, je nettoie pas. T'es puni de téléphone pendant un mais mois non. Alors. Si, Iros, tu nettoies tout de suite. De toute façon, je vais dire à tout le monde que tu m'embêtes. Allez, viens ici, tu nettoies Iros, je vais pas faire ça tout seul. Oh punaise, elle est embêtante celle-là. À cause d'elle, je dois tout nettoyer tout seul. Iros, viens ici tout de suite. Alors là, les amis, je crois que j'ai une idée. Je sais où se cache la carte bancaire d'Esteban. Il y a moyen que je m'achète quelques trucs. Alors, Iros, j'ai dû encore une fois tout nettoyer tout seul. Bah, je m'en fous. Là, c'est n'importe quoi. Je dois partir à la pharmacie acheter des trucs. Bah, t'as pas intérêt à bouger. Oui, oui. Pas de bêtises, tu restes dans le canapé. Oui, t'inquiète. Sinon, ça va très mal aller et je vais prévenir nos parents une fois qu'ils seront rentrés. Qu'est-ce qui va se passer encore? Oh, tu m'énerves. Bon, allez, moi je pars. Reste là. Oui, oui. Je veux pas devoir faire de bêtises. Ok. Donc là, les amis, je sais où se cache le portefeuille d'Esteban, du coup, je vais aller le chercher tout de suite. Punaise, d'habitude, il le cache là. Je l'ai trouvé. Ça, ça va faire des bons trucs. Les amis, il faut que j'aille vite parce que sinon, Esteban, il va arriver et il va prévenir les parents. J'ai trop peur. Là, je vais mettre mon manteau et mes chaussures comme ça. Je crois que ça va bien se passer. Allez, vite. Allez, vite, 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 vite. Faut que je me dépêche. Allez, vite, vite. Par contre, je sais pas comment faire. J'ai jamais fait ça de ma vie. Allez, c'est parti. Trop cool. Oh là là, je dois mettre le code. Je sais pas ce que c'est, j'ai totalement oublié. Bon, allez, je mets au hasard. Donc là, j'ai cliqué sur 100 euros, comme ça, je vais pouvoir m'acheter plein de trucs. Je suis trop contente. Après, je crois que je vais aller m'acheter l'iPhone 11 Pro. C'est bon, je reçois les billets, c'est bon. J'en ai marre. C'est quand que c'est, là? Esteban est en train de me bloquer ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je crois, les amis. Oui! Donc là, les amis, première destination, donc on va aller se faire plaisir au magasin! Alors là, on va commencer par du fluff. D'abord, ma papa, ça c'est très bon aussi. Et allez, tiens, des Risis. Allez, on y va! Il faut que je me dépêche avant que Esteban rentre. A few moments later. Ah, enfin rentrer chez soi. Bon, alors là, je vais commencer à manger. Et cet après-midi, je vais aller m'acheter l'iPhone 11. Ouais, ça se présente comme ça, c'est trop bizarre. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. Qu'est-ce que c'est, ce truc? C'est maman qui m'a acheté. Mais Iros, t'as eu ça où? Maman, elle m'a acheté ça. Non mais comment ça? Attends, déjà, bouge ça, t'as rien débarrassé. C'est quoi ça? La barbe à papa? Du fluff? Mais t'es sérieuse? T'as acheté ça comment? Bah, c'est maman qui me les a achetés. Attends, il y a un problème là. Lève-toi. Je me suis déplacé jusqu'à la pharmacie et j'ai rien trouvé. Ah bon? J'ai même pas trouvé ma carte, je sais pas où elle est passée. Mais je sais pas où elle est, moi. Iros, t'es sûre que t'as rien à voir là-dedans? Mais non. Parce que là, notre mère, elle est partie faire des courses aussi. Bah oui, bah c'est et elle est pas revenue. Ça veut dire que t'as trouvé ça où, Iros? Bah... Oulala, viens par ici, on va avoir une explication, je pense. C'est pas possible, des enfants comme ça. Viens par ici, là, au lieu de te goinfrer. Regarde, il était là. C'est pas moi. De quoi c'est pas toi? Mais je te promets. De quoi c'est pas toi, Iros? Bon. J'avais caché mon porte-monnaie là. Tu veux vraiment que je te l'avoue? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est moi qui ai pris ta carte bleue. Non, Iros, reviens ici. Pourquoi t'as pris ça? Non, Iros, reviens ici tout de suite. C'est pas possible. Punaise, Iros, reviens ici tout de suite. C'est quoi ce truc? Punaise, c'est pas possible. Iros, elle est encore partie là. J'espère que c'est vraiment pas elle qui a pris ma carte bleue parce que c'est n'importe quoi. Attends. Non. Je viens de recevoir un message de la banque. Moins 100 euros. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ouh là là, je vais aller la retrouver celle-là, c'est sûr et certain. Donc là, voilà les amis, donc là, je suis en train de préparer un piège pour piéger Iros. Parce que là, je me suis aperçu que c'est elle qui a piqué ma carte bleue. Le problème, c'est que là, j'ai localisé son téléphone. Et là, elle est à Lille et elle est carrément à l'Apple Store. Donc je pense que son objectif, c'est d'aller acheter un iPhone. Il faut que j'empêche ça à tout prix, sinon elle va me faire dépenser 1000 euros, c'est n'importe quoi. Bon allez, il faut que je file préparer ça. Alors voilà les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ma banque. Et du coup, je vais dire que si
quelqu'un dépense de l'argent avec, elle doit appeler la police. Oh là là, du coup Lyreuse, elle va se retrouver au commissariat de police, j'ai trop hâte de voir ça. Bon, comme ça ma mère va devoir aller la chercher et là au moins elle aura une bonne leçon pour toute sa vie. Parce que c'est n'importe quoi ce qu'elle a fait, surtout ne refaites jamais ça. Bon, attendez. Allô? Oui, oui, c'est pour vous signaler que quelqu'un a volé ma carte bleue. Oui, oui, si quelqu'un la trouve, il faut qu'il aille à la police, hein, surtout s'il dépense de l'argent. Ok, vous faites ça? Merci beaucoup. A few moments later. Alors là, les amis, devinez qui est en train de m'appeler. Lily Rose. Bon, allez. Allô? Lily Rose? Allô? Allô, Lily Rose, y'a un problème? Bon, j'entends pas. Attendez, c'est bon. Allô? Quoi? Qu'est-ce qui... T'es au commissariat de police? Non mais t'es au commissariat de police, mais pourquoi t'es là-bas, Lily Rose? T'aurais pas fait une bêtise par hasard? Bah, elle sait pas. Elle sait pas, bon, en plus, bon, allez, tant pis, moi, je te laisse là-bas, hein. Je te laisse là-bas. Laisse tomber, quelqu'un viendra te chercher, Lily Rose. Punaise, regardez là. Je pense qu'on peut voir sa vidéo. Elle est vraiment au commissariat de police. Bon, allez, j'ai réussi à la voir. En plus, elle a une mauvaise connexion. Bon, allez, j'ai raccroché. Comme ça, elle ira se débrouiller toute seule avec mes parents. Bien fait. Donc là les amis, j'ai reçu un message de notre mère. Oh là là, elle est dégoûtée parce que Lily Rose est au commissariat. Je lui ai pas encore dit pourquoi, mais je pense que j'attends que Lily Rose rentre. Et là au moins ça va lui donner une bonne leçon. Mais le problème, c'est qu'elle a eu le temps d'acheter l'iPhone et que du coup les policiers lui ont rendu apparemment. Enfin, j'ai pas trop compris l'histoire. Donc là on va attendre que Lily Rose rentre. Je pense qu'elle va être ultra énervée. D'ailleurs mettez un like à la vidéo si vous l'avez pas fait et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Esteban, viens par ici, je te déteste. Ah, enfin tranquille. Alors, Esteban, on va parler sérieux. Pourquoi bon. T'as fait ça? De quoi? Qu'est-ce que j'ai Pourquoi fait? Pourquoi t'as appelé ta banque en disant que j'avais pas le droit d'utiliser ta carte bancaire? Alors, ça, ah, bah c'est toi qui as pris ma carte bleue finalement. Bah oui, alors. Bah et alors, Lyros, t'as pas à faire ça. En plus, t'as acheté un iPhone et il est où cet iPhone? Bah je l'ai pris dans ma chambre et t'auras quoi? Pas le droit d'utiliser. Attends, non. Attends, bah je vais te renvoyer à la police, c'est n'importe quoi tout mais ça. Mais de toute façon, t'as pas vraiment mis à la police. Attendez, attendez. Et qui t'a ramené de la police, Lyros? Qui t'a ramené? T'es pas parti. T'es pas partie toute seule. Maman, elle en pense quoi? Elle dit qu'on qu'elle s'en fout, voilà. Elle dit qu'elle s'en fout. Ok, moi j'arrive. J'arrive en haut. Bon allez Lily Rose, tu vas me dire tout de suite où il est caché cet iPhone. Bah non, je te le dirai pas, sinon tu vas me le prendre. T'as acheté quoi comme iPhone? L'iPhone 11 Pro Max. T'as pris l'iPhone 11 Pro Max? Oui, parce que je t'ai pas dit, mais j'ai retiré plus en vrai. Avec mon argent, t'as retiré ouais. Ça? Et la police te l'a même pas confisqué? Mais Lily Rose, comment je vais faire maintenant? Bah tu fais pas. Je vais avoir des problèmes. Bon allez, tu vas me rendre ça là. Non. Ça suffit. Allez, tout de suite. Non. Alors là, Lily Rose, t'as intérêt à me dire tout de suite où c'est. Parce que non, sinon ça va très mal se passer. Hein. Punaise. Lily Rose, j'ai pas envie de tout débarrasser. Bah attends. Moi aussi. Ah, punaise, non. Ah. Viens ici tout de suite. Viens ici tout de suite. Reviens ici. Bah voilà. Au moins je pourrais fouiller tout seul. Attendez. C'est quoi ça? Oh là là, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Lily Rose, reviens ici tout de suite. Donc là les amis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé la boîte de l'iPhone, sauf que l'iPhone n'était pas à l'intérieur. J'ai comme l'impression que Lily Rose l'a pris, et franchement ça me déplaît totalement ce qu'elle a fait. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais appeler notre mère. D'ailleurs je vais prendre mon téléphone tout de suite. Oh, punaise, attendez, je vais l'appeler. Mais le problème c'est que, c'est bizarre parce que si Lily Rose était allée vraiment à la police comme ça, ma mère elle l'aurait pas sortie, elle l'aurait rouspété et tout, elle serait venue s'excuser. C'est trop bizarre, je pense que ça cache quelque chose. Je pense que Lily Rose m'a menti. Oulala, j'espère qu'elle s'est pas enfuie toute seule de la police. Sinon, on va vraiment avoir des problèmes. Attends, j'appelle notre mère. Allô? Oui? Non? T'es en train de faire tes courses, là? T'es pas au courant pour Lily Rose? Oh là 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 là, il faut que je te prévienne tout de suite de ce qui s'est passé. Ah bah, vous êtes là, Lily Rose. T'es contente de ce que t'as fait ou pas? Ah, c'est bon, de toute façon, j'ai rien fait. Non, mais t'es pas au courant de ce qu'elle a fait? Non. Elle a piqué ma carte bleue, elle a retiré de l'argent, elle a même acheté un iPhone 11 avec. Comment ça se fait qu'elle connaissait le code? Bah, je sais pas, comment tu connaissais le code, Lily Rose? Lily Rose? Bah, je te dis pas. Lily Rose, réponds. Non, non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas toi qui allais la chercher au commissariat d'ailleurs? C'est toi ou pas? Non. Punaise, ça veut dire qu'elle est sortie toute seule? Mais Lily Rose, ça va pas à la tête du tout de faire ça. On va encore avoir des problèmes. Bon, allez, donc là il faut qu'on trouve une solution là. Parce que Lily Rose, elle a acheté. Comment on va faire pour récupérer l'argent? Déjà, je me demande comment au magasin on a pu lui. Ouais, ouais, bah Lily Rose, qu'est-ce que t'as fait? T'as dit que tu venais de la part de qui? Personne. Lily Rose.
Est-ce que c'est vrai cette histoire? Bah oui, c'est totalement vrai cette histoire. Je sais pas comment ça s'est produit. Que Stéphanie me l'avait dit. Et elle était où cette carte? Elle a dû m'espionner. Elle était cachée dans le pot de fleurs comme d'habitude. Et d'un coup, je sais pas, elle a dû détecter la cachette. Elle a fait n'importe quoi et ben, avec. Tu sais quoi, Iros? Tu rembourseras. Ah bah voilà, tu rembourseras. Tu rembourseras et en plus. Ça aura une punition. Donc les amis, voilà. Donc l'Iros a été puni comme il se doit. Et donc voilà, on espère que cette vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bye bye.